Ok, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Damien Vanacta, je travaille à la RTBF en tant que social media manager. Voilà. Et qu'est-ce que tu cherches vraiment à faire, à voir ou à qui à rencontrer ici à l'EWeb 2010? Mais le web, c'est moi j'y viens depuis les toutes premières fois, je pense que c'était en 2005, la toute première au Sénat, et puis toutes les autres après. Et comme à chaque fois, je pense que le plus intéressant au-delà des panels qui sont quelque part assez formels, où j'ai vu qu'on pouvait même pas poser de questions, ça je trouve ça un peu dommage, c'est surtout de rencontrer des gens. C'est une occasion unique, c'est une fois par an, de pouvoir rencontrer des gens. Il y a Léo Laporte qui est là juste à côté, j'ai vraiment envie de pouvoir aller discuter avec lui. Je peux dire que c'est un peu un dieu pour moi, mais ce mec a réussi à faire des choses qui sont géniales pour un journaliste, dans la création de contenu, dans la discussion avec les internautes, dans la manière dans laquelle on crée de la valeur ajoutée grâce au web, justement en rajoutant des couches d'informations sur de la vidéo, sur de l'audio, en montrant le web réellement plutôt qu'en le filmant, en étant dans le web et en créant des émissions qui sont conçues pour être vraiment intégrées au web, où le web fait partie intégrante du processus interactif. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est rencontrer des gens qui ont fait des expériences, c'est rencontrer des gens qui en font pour l'instant, qui font des erreurs, même si c'est pas le genre de choses qu'on vient montrer ici, mais voilà, c'est du networking. De manière générale, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est de rencontrer des gens avec qui on est en contact toute l'année par Twitter, par Facebook, où on se ping les uns les autres, où on se retweet à longueur de journée parce qu'on balance des choses intéressantes. Voilà, le web, c'est l'occasion de rencontrer des gens dans la vraie vie, de serrer des mains et de mettre des visages sur des avatars. Voilà, pourquoi je suis là. Merci.